On va maintenant débuter notre amigurumi. Alors, on va commencer avec une nageoire arrière. Vous pouvez donc prendre votre laine blanche ainsi que votre crochet. Et pour le tour numéro 1, on va débuter avec un cercle magique. Alors, si vous n'êtes pas capable de faire un cercle magique ou vous ne savez pas c'est quoi, il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube qui vous montrent comment faire un cercle magique. Alors, une fois votre cercle magique fait, on va faire quatre mailles serrées à l'intérieur du cercle. Une fois les quatre mailles terminées, on va venir serrer pour fermer notre cercle magique. On va maintenant faire le tour numéro 2. On va commencer par une augmentation dans la première maille. Alors, on va venir piquer le crochet, faire une première maille serrée dans cette fameuse maille. Et on va venir mettre le marqueur de rang, bien important. Juste ici. Et là, comme on faisait une augmentation dans la première maille, je venais repiquer à la même place pour faire une deuxième maille serrée dans la même maille. Ensuite, dans la prochaine, on va faire une maille serrée régulière. Donc, juste une maille serrée. Dans le prochain, on va faire une augmentation. Et dans la dernière, une maille serrée régulière. Maintenant, pour le tour numéro 3. On va garder le même nombre de mailles. Donc, on était à 6 mailles. On va continuer avec 6 mailles pour le tour numéro 3 ainsi que pour le tour numéro 4. C'est-à-dire que vous allez faire une maille serrée dans chacune des mailles et assurez-vous de remettre le marqueur de rang après la première maille de chaque tour. Donc, on se rejoint à la fin du tour 3. Donc je suis maintenant à la fin du tour 3. Alors ma pièce commence à tourner sur elle-même. Assurez-vous d'avoir le bon côté euh, qui est visible. C'est-à-dire que vous allez avoir la petit, le petit fil du cercle magique à l'intérieur de la nageoire. Et là on va faire le tour numéro 4. Comme comme j'ai dit, euh, on va garder le même nombre de mailles. Donc 6 mailles à la fin du tour 4. On se rejoint à cette étape. Le tour 4 est maintenant complété. Alors j'ai toujours 6 mailles autour. Et pour terminer notre nageoire arrière, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller piquer dans la prochaine maille. On va venir faire une maille coulée. On va laisser un petit fil de laine pour celle-ci et venir couper l'excédent. Voilà, comme ça. On peut tirer le fil au travers pour nous faire un petit nœud. Le petit fil ici qui, est qui, est... qui sort de la nageoire, on va venir le rentrer à l'intérieur. Et voilà, la première nageoire est terminée. Alors je vais vous demander de refaire une seconde nageoire qui devrait être identique à la première. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rejoindre avant de couper le fil de la deuxième nageoire. Donc à la fin du tour 4, mais ne coupez pas le fil. J'ai maintenant terminé la deuxième nageoire arrière. Alors je suis à la fin du tour numéro 4. J'ai mon marqueur juste ici. J'ai encore mon crochet dans ma boucle. Et j'ai ma petite nageoire. Donc j'ai rentré aussi le petit fil euh, d'où sortait la maille coulée. Alors pour la suite, on va aller vers le corps de notre foc. C'est-à-dire on va commencer ces tours-là ici. Pour ce faire, toujours avec le crochet sur la deuxième nageoire arrière, on va venir piquer le crochet où vous avez fait votre maille coulée plus tôt. Alors je viens piquer le crochet ici sous cette maille. J'ai mon petit fil qui était dans la nageoire. Je viens faire mon jeté. Je vais faire une maille serrée dans cette maille-là. Et je vais répéter donc une maille serrée dans chacune des mailles de la première nageoire. Alors voilà, ça devrait ressembler à ça. Maintenant, on va continuer. Donc, on est toujours dans le tour numéro 5 le corps. Alors souvenez-vous où était votre marqueur de rang. On va maintenant le retirer, mais on va venir piquer le crochet exactement où il était. Et on vient faire une maille serrée encore une fois dans celle-ci. Et pour compléter le tour numéro 5, on va venir faire 5 autres mailles serrées autour de la deuxième nageoire. On a maintenant relié les deux nageoires arrière. Ça devrait ressembler à ceci. Vous devriez avoir 12 mailles au total. Pour le tour numéro 6, on va répéter une séquence. Cette séquence commence par une maille serrée dans la prochaine maille. Et dans la prochaine maille, on va venir faire une augmentation. Donc on se souvient bien, c'est deux mailles dans la même maille. Et vous allez répéter cette séquence un total de 6 fois. Donc, je le refais une fois. Une maille série régulière, une augmentation dans le prochain. On va se rejoindre à la fin du tour numéro 6. Mais voici à la fin du tour numéro 6. Alors, si vous avez bien fait la séquence, vous devriez terminer avec une augmentation dans la dernière maille. Et avoir un total de 18 mailles. Pour le tour numéro 7, nous allons commencer avec une maille serrée dans la prochaine. On remet notre marqueur. On va faire ensuite trois autres mailles serrées dans les trois prochaines mailles pour un total donc de quatre. Alors j'en ai une, deux, trois, quatre. Je vais venir faire une augmentation dans le prochain. Une maille régulière dans la suivante. Et on va répéter cette séquence quatre autres fois. Donc augmentation, maille série, augmentation, maille série. Une fois la séquence faite, il devrait vous rester quatre. Mailles libres à la fin de votre tour, donc 1, 2, 3, 4. Et dans ces 4 mailles-là, on va faire 4 mailles serrées régulières, donc une dans chaque. Voilà pour le tour numéro 7. Alors, vous devriez avoir un total de 23 mailles serrées. Maintenant, pour le tour numéro 8, on va commencer avec 12 mailles serrées. Donc ça fait une, je vais en faire onze de plus. Dans la prochaine maille, je vais venir faire une augmentation. Et ensuite, pour terminer mon tour numéro 8, je vais faire 10 mailles serrées dans les 10 dernières mailles. Voilà ce qui complète le tour numéro 8. Donc vous devriez avoir un total de 24 mailles. Et maintenant, pour les tours numéro 9 à 13, vous allez garder le même nombre de mailles, c'est-à-dire 24. Et donc, c'est un total de 5 tours. Alors, le tour numéro 9, 10, 11, 12 et 13, vous allez faire une maille serrée dans chacune des mailles. Et donc, on va se rejoindre à la fin du tour numéro 13 avec 24 mailles. Mais voici donc à la fin du tour 13. Alors, j'ai continué le même nombre de mailles, c'est-à-dire 24, pendant 5 tours. Alors ça ressemble à ceci. J'ai mes deux nageoires arrière et mon corps. Alors on va commencer le tour 14. On va commencer par une maille serrée. On remet le marqueur. Et je vais faire 11 mailles serrées de plus. Alors là, vous devriez avoir 12 mailles serrées. On va venir faire une diminution. Alors, moi, j'utilise toujours la technique de la diminution invisible. Alors, on va utiliser les deux brins avant des deux prochaines mailles. On va venir piquer le crochet sous le brin avant. Les deux prochaines mailles, on vient faire un jeté. On passe dans les deux brins avant. On fait un jeté et on passe dans les deux brins restants. Donc, on a fait une diminution. Et là, pour terminer le tour 14, on va faire 10 mailles serrées dans les 10 dernières mailles. Le tour 14 est terminé. On va commencer le tour 15. On va commencer avec 4 mailles serrées. Maintenant, on a une séquence à faire. Alors, la séquence, c'est diminution, mailles serrées. Alors, on va le faire ensemble une première fois. Pour la diminution, on prend les deux brins avant les deux prochaines mailles. On complète notre diminution et dans la suivante, je vais faire une maille serrée régulière. Alors, ça, c'est une fois la séquence et je veux un total de cinq fois. Donc, il me reste quatre fois diminution, maille serrée. Diminution, maille serrée à faire. Et une fois la séquence répétée un total de cinq fois, il, vous devrait, il devrait vous rester quatre mailles serrées. Alors, on va faire quatre mailles serrées dans les quatre dernières mailles. À la fin du tour 15, vous devriez avoir 18 mailles au total. On va maintenant venir faire le tour numéro 16. Donc, on fait une séquence répétée 6 fois au total. La séquence commence avec une maille serrée et une diminution dans la prochaine. Donc, vous allez répéter cette séquence de maille série, diminution 5 autres fois, donc pour un total de 6 fois. Alors lorsque vous arrivez à la fin du tour 16, vous devriez terminer avec une diminution et un total de 12 mailles. Avant de terminer le corps, on va venir placer les yeux de sécurité. Donc on va prendre un premier œil et on va les placer entre les tours 15 et 16. Donc, on se souvient que le tour qu'on vient de terminer ici est le tour 16. Alors, ça va être entre le dernier et l'avant-dernier rang. Vous allez vous fier aux nageoires arrière pour les placer dans la bonne direction. Alors, je vais placer mon premier œil entre les tours, donc 15 et 16, juste comme ça ici. Il devrait être plutôt en ligne avec la nageoire. Et pour le deuxième œil, je vais compter cinq trous, donc cinq espaces entre les mailles. Alors j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais aller piquer mon œil juste ici. De cette façon. Donc ça ressemblerait à ça. Ici comme ça. Donc les deux sont en ligne avec les nageoires. De face, ça ressemble à ceci. Et donc, les yeux sont entre les tours 15 et 16. Ensuite, on va venir les sécuriser avec les petites parties à l'intérieur. Essayez de bien dégager vos mailles ici parce qu'on va revenir crocheter à l'intérieur de ces mailles-là. Donc, assurez-vous qu'elles sont bien euh, visibles. Voilà pour les yeux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rembourrer le corps du phoque avant de terminer le dernier rang. Mon phoque est maintenant rembourré. Alors, si je le, re, le regarde dans tous les angles, il est symétrique. Et on va maintenant pouvoir faire le dernier tour, donc le tour 17. Qui va être de faire six diminutions totales, Donc, dans chaque 2 mailles, on va faire une diminution. Alors, une diminution, deux diminutions, trois diminutions pour un total de 6 fois. Alors, on va avoir 6 mailles à la fin du tour 17. J'ai maintenant mes 6 mailles. Mes six diminutions sont faites. Pour terminer le corps, je vais retirer le marqueur. Et je vais venir faire une maille coulée dans la prochaine maille. Je vais laisser un petit fil de laine et venir couper et tirer la laine au travers. Donc ça nous fait un nœud comme ceci ici. Et je vais en profiter pour terminer de rembourrer à ce niveau-ci. Je suis maintenant satisfaite avec le rembourrage. Je vais venir prendre mon aiguille à laine pour venir fermer le petit trou à l'avant du visage. Alors pour ce faire, une fois que vous avez votre fil de laine dans votre aiguille, on va venir chercher le brin avant de chacune des prochaines mailles. Donc seulement le brin avant et du bas vers le haut. On tire l'aiguille. Et on répète dans la prochaine maille, donc toujours du bas vers le haut, dans le prochain brin avant. On va faire ça dans chacun des brins avant. Et une fois tout le tour complété, on peut venir tirer et ça va fermer l'ouverture qui restait. Comme ça. Et là, tout ce qui nous reste à faire pour le cas. De venir cacher ce petit fil de laine alors pour ça je viens l'insérer dans le trou au centre du visage je vais le faire sortir ailleurs dans le corps même chose je vais re-rentrer exactement à la même place et sortir ailleurs oh, dans le corps et même chose une troisième fois puis on va venir couper le petit fil. Vous avez maintenant terminé le corps du bébé phoque. Et voilà. Alors on va se retrouver pour son petit museau. Donc vous allez avoir besoin de votre laine grise pâle ou beige. Pour son museau, ça va être très simple. Alors vous allez refaire un cercle magique comme on a fait au tout début et vous allez faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Une fois les 6 mailles serrées complétées, vous va tirer et je vais tout simplement venir faire une maille coulée dans la première maille ou dans la prochaine, alors je suis plus que mon crochet Et je fais une maille coulée. Je vais venir couper un assez long fil de laine parce qu'on va venir l'utiliser pour coudre au visage. Et on tire le fil au travers. Voilà. Maintenant, le moment de venir broder le nez sur le museau. Alors, vous allez avoir besoin de votre fil noir. Euh, insérer dans votre aiguille et on va commencer donc de l'intérieur du museau vers l'extérieur. Alors, l'intérieur, c'est la partie où il y a le fil de votre cercle magique. Et on va commencer donc en insérant notre aiguille sous une maille du museau. Et je vais m'assurer ici que ma maille coulée est au bas du museau. Donc, j'insère mon aiguille, je vais tirer et je laisse une petite longueur à l'intérieur du museau qu'on va utiliser plus tard pour faire un nœud. Ensuite de ça, je vais venir à l'intérieur du museau en passant dans le cercle magique. Et là ce que je vais venir faire, je vais venir ressortir encore une fois donc euh, à l'extérieur du museau. Cette fois-ci un tout petit peu à côté du premier point fait. Donc on répète la même chose. Et je vais venir insérer l'aiguille au centre du cercle magique du museau. Là, je vais répéter les mêmes étapes pour combler l'espace ici qui reste. Voilà pour ça. Alors, si comme moi, il vous reste une petite partie visible de beige ou de gris, on va venir faire une ligne horizontale avec la laine noire pour combler cet espace. Donc je vais venir à une extrémité supérieure. Je vais tirer mon fil au travers et là tout simplement je vais venir insérer mon aiguille de l'autre à l'autre extrémité ici pour le rentrer dans le museau. Voilà comme ça ici. Donc on aurait brodé notre nez à notre museau. Tout ce qui vous reste à faire c'est un nœud avec les deux fils noirs à l'intérieur du museau et de les couper assez court. On va maintenant pouvoir venir coudre le museau au visage de notre bébé phoque. Alors pour commencer, je vais utiliser mon aiguille avec le fil du cercle magique de mon museau et je vais venir insérer mon aiguille directement en plein centre où nous avions fait la fermeture du corps. Et je vais faire sortir mon aiguille sous le corps. Comme ça. Donc ça, ça vient centrer mon petit museau. Ici, pour vous aider, vous pouvez utiliser des petites aiguilles pour centrer le nez et l'enligner. On veut que le haut du museau soit vis-à-vis -vis les yeux. Alors, je vais utiliser deux petites aiguilles comme ça. Je vais maintenant enfiler la laine dans mon aiguille et on va commencer à coudre. Alors, la technique que j'utilise pour coudre, on va débuter par euh, entrer sous une maille du corps qui est vis-à-vis -vis la maille coulée qu'on avait fait dans le museau et on va pousser l'aiguille. Comme ça. Prochaine étape, on va aller sous la maille qui est vis-à-vis notre maille du corps, mais cette fois-ci dans le museau, du bas vers le haut. On tire l'aiguille au travers. Prochaine étape, on va réinsérer l'aiguille où, où on est ressorti. Donc juste ici, vous voyez le fil. Je vais réinsérer l'aiguille ici et je me déplace. Je tire mon aiguille. J'enlève celle-ci. Et je répète. Alors, dans le museau... Et dans le corps donc on fait ça tout le tour je suis maintenant rendue à la fin du museau alors pour terminer ma couture je vais réinsérer mon aiguille dans le corps donc le fil sortait du museau je l'insère dans le corps et je vais faire ressortir le fil exactement où mon autre petit fil beige est Juste comme ça ici. Vous assurez que le nez est bien aussi symétrique avec les yeux. Et on va venir faire un nœud avec les deux fils. Pour cacher les fils, on va les réinsérer dans l'aiguille, les deux en même temps. Et je vais venir entrer mon aiguille dans la maille où les deux fils ressortaient. Et je vais venir passer quelques fois au travers du corps. Voilà, le museau est cousu au visage. Il nous reste simplement à faire les deux petites nageoires avant. On va maintenant faire une des nageoires avant. Alors, on va y aller avec la laine blanche. On va faire un cercle magique. Et vous faites 4 mailles serrées dans le cercle magique. Le tour numéro 1 est complété. On a un total de 4 mailles. Pour débuter le tour numéro 2, on va faire une augmentation dans la première maille. Et je vais venir insérer mon marqueur. J'ai terminé dans mon augmentation, alors je repique mon crochet dans la même maille pour faire une deuxième maille serrée. Et dans la prochaine maille, je vais faire une maille serrée régulière. Je répète la même séquence. Alors, dans la prochaine maille, je vais faire une augmentation. Dans la suivante, je vais faire une maille serrée régulière. Le tour numéro 2 est complété. Vous devriez avoir un total de 6 mailles. Pour débuter le tour numéro 3, on va commencer avec 2 mailles serrées dans les deux. Dans chacune des deux prochaines mailles serrées. Donc, j'ai fait une maille serrée, je mets mon marqueur et je fais une maille serrée dans la prochaine. Et dans la prochaine maille, je vais venir faire une augmentation. Et on va répéter ce qu'on vient de faire une seconde fois. Alors, maille serrée, maille serrée, augmentation. Le tour numéro 3 est complété, vous devriez avoir un total de 8 mailles. On va maintenant commencer le tour numéro 4. Alors, pour le tour numéro 4, on va faire 4 diminutions. Donc, on va avoir un total de 4 mailles à la fin. Je vais commencer avec ma première diminution. Donc, on fait toujours des diminutions invisibles comme on a fait pour le corps. J'ai fait une première diminution, je vais mettre mon marqueur et je répète donc pour un total de 4 diminutions donc il m'en reste 3 à faire. J'ai terminé le tour 4 qui était le dernier tour des nageoires avant, on peut retirer le marqueur et je vais venir faire une maille coulée dans la prochaine maille. Je vais laisser un bon fil de laine pour pouvoir coudre la nageoire au corps. Et je vais venir rembourrer la petite nageoire avec le fil du cercle magique tout simplement. La première nageoire est terminée. Je vous laisse faire la deuxième nageoire et on va se rejoindre pour coudre les nageoires au corps et terminer votre bébé phoque. Mes deux nageoires avant sont maintenant complétées. Alors, on va maintenant être prêt à les coudre au corps. Pour ça, on va enfiler le fil dans l'aiguille. Et je vous montre le placement des nageoires avant. Alors, si vous regardez votre bébé phoque de profil, on va calculer quatre rangs derrière les yeux. Donc, celui-ci serait le premier rang que je compte. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais coudre la nageoire à ce niveau et je vais la coudre 4 mailles plus bas que les yeux. Alors, je, je m'identifie ce rang ici. Les yeux sont à cette hauteur, donc je compte 1, 2, 3, 4, et je vais coudre juste sous la quatrième maille. Alors, je répète. 1, 2, 3, 4 ans. Et si je compte environ 4 mailles sous plus bas que les yeux, donc 1, 2, 3, 4, sous cette noix-ici. Vous pouvez vous aider avec les petites aiguilles de sécurité comme on a fait tantôt avec le museau, ces petites aiguilles, pour vous assurer du bon positionnement des nageoires. Alors j'enfile mon aiguille dans le corps, une première fois. Je vais venir chercher une maille de la nageoire. Donc on fait exactement comme pour le museau précédemment. Ici. Ensuite, je vais réinsérer l'aiguille où le fil sort et je vais aller une maille plus bas, donc vers le ventre du bébé phoque. Je tire, même chose donc dans la nageoire. Ensuite, je retourne dans le corps et je vais aller cette fois-ci vers le museau. dans la nageoire et une dernière alors on insère où le fil ressortait et on retourne dans la maille initiale où on avait inséré l'aiguille on va aller chercher une dernière fois la maille de la nageoire comme cela et j'insère l'aiguille juste ici dans la même maille et je la fais ressortir sous le ventre Ici, comme ça. On va répéter les mêmes étapes pour la deuxième nageoire. Donc, vous allez calculer 4, 1, 2, 3, 4 et 4 mailles plus bas. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais insérer mon aiguille ici et je vais répéter les mêmes étapes pour coudre ma deuxième nageoire. Puis, on va se rejoindre avec les deux fils qui sortent de la même maille. Alors voilà, j'ai les deux nageoires cousues. Mon petit foc ressemble à ceci. Il reste simplement à faire un nœud avec les deux fils des nageoires et les cacher comme on a fait pour le museau pour terminer votre projet. Et voilà, vous avez complété votre projet de bébé fox. J'espère que vous avez aimé la vidéo.